mambu yonso mabanza yonso ina ya kuza pesa jaka mfutu na babivu yonso ina wanko wa kinzonzi kuzaka mingi penza kulifusa yandi eba mpanga lizo na tanga bitu na kutuba ntama mingi ve Nikola Kazadina kena koleke na kutala mambu wa mbongo ya tafutuka jaka na ntola wanko wa kinzonzi samu ya kuza mingi kufusa mfutu na babivu yonso ina wanko wa kinzonzi kuzaka yufusa ndi na nami kutala mbongo ina luyalu kezo na kudefa na bainzo ya kulunda mbongo ya nene ya mindele samu ya kuza pesa nzila na luyalu na kuza sara bisalu ya mutina mutindu mingi bisalu mekutala banzila kati ya insi ya Republic Demokratiki ya Kongo yina wake na kubukila nsiku kini elenda ndena ntangwa hii andike na kukubama banku wa kinzonzi kwa basika kama kusa vutuka utabusa yangi mosi mboso kodi ya mpuanga samu na kuwa nini ya kwa leo litapesa bosi mfutu ya chereka chereka na ina mekutala manaka ya nsiku ina mekusa monisa bao na ntangu ya bao kele kufingila mkwa luyalu ya insi ya Republic Demokratiki ya kuhuna mame kutala mbongo wa Nikola Kazadi kuiza diaka kuluta na ntangu ya samu ya kuiza nous avions accordé un temps à monsieur le ministre afin qu'il se prépare pour répondre aux préoccupations exprimées par les honorables députés lors du débat général. Nous allons repasser la parole à monsieur le ministre. C'est le ministre, vous avez la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avec plaisir et engagement que je vais m'exercer à donner quelques éléments de réponse aux préoccupations et aux questions que vous avez soulevées. Je voudrais commencer par la question qui pourrait paraître la plus difficile, car elle touche un point qui a suscité beaucoup de réactions, je ne dirais pas hostiles, mais réservées. Il s'agit du projet du pont Routrail. D'abord, il est important de souligner que ce projet du pont Routrail n'est pas et ne doit pas être analysé en opposition avec le projet du port de Banana, même si nous savons qu'indirectement, il pourrait y avoir une relation du fait de l'accessibilité améliorée du port de Pointe-Noire pour la partie ouest de notre pays. Mais il s'agit avant tout d'un projet qui s'inscrit dans une dynamique plus large, celle de l'intégration africaine, pour laquelle notre pays a pris des engagements au niveau de l'Union africaine, des engagements fermes, et vous le savez, notre pays, la RDC, qui est le seul pays qui a 9 voisins, est aujourd'hui le maillon faible dans la chaîne de l'intégration africaine, car toutes les voies qui ont vocation à relier le nord au sud du continent, l'est à l'ouest du continent, trouvent un barrage en RDC. Et donc, c'est la raison pour laquelle il nous est difficile de ne pas prendre en compte cette dimension, car nous ne devons pas être un problème à l'intégration africaine, mais plutôt une solution. Cela dit, il est clair, et cela a été réaffirmé plusieurs fois par le chef de l'État lui-même, le projet de Banana est la priorité. Et cette priorité ne changera pas. Il l'a réaffirmé à maintes reprises en disant que ce projet de Banana doit démarrer avant celui du Routrail, parce qu'il s'agit d'un intérêt stratégique national, à la fois économique,
notamment pour la province du Congo central, mais plus généralement pour tout le reste du pays, mais aussi stratégique et sécuritaire. Parce que le Congo central est et demeurera éternellement la porte d'entrée de notre pays. Ce que nos frères du coin appellent Zita Bianza, c'est-à-dire la porte d'entrée. Et ça ne changera jamais, et ça a été répété par le chef de l'État, et je crois que ça a été répété ici par les honorables députés, il n'y aura pas de variation sur ce point-là. Ensuite, il faut savoir que ce projet qui porte sur, je crois, une vingtaine de millions d'unités de compte, ça veut dire un peu moins de 30 millions de dollars, ce projet ne peut pas être confondu avec celui du pont Rutrail, qui porte, lui, sur 600 millions de dollars. 600 millions de dollars pour construire ces infrastructures qui vont relier nos deux pays n'a rien à voir avec 26 ou 28 millions de dollars. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons en détail les différentes composantes du projet qu'on a soumis à votre ratification aujourd'hui, il ne s'agit essentiellement que d'infrastructures basées sur le territoire congolais. Congo démocratique s'entend. La composante A, travaux routiers, construction et bitumage des voies d'accès au pont Rutrail, c'est-à-dire du fleuve à Maluku et 6 km à l'intérieur des terres dans la commune de Maluku. 6,8 km, y compris les réservations pour la fibre optique, l'aménagement d'un carrefour à 4 branches au niveau du village de Maluku, les prestations de contrôle et surveillance des travaux, les mesures environnementales et sociales, la sensibilisation à la sécurité routière et au respect de la charge à l'essieu. Il est vrai que ça va préparer l'arrivée du pont Rutrail, mais il ne s'agit pas encore du pont Rutrail. Et donc nous restons dans la logique de ce que le chef de l'État a dit, c'est-à-dire le Congo d'abord. Et donc, si vous le permettez, honorables députés, il n'y a pas de raison, de ce point de vue, que nous nous privions de construire 7 km de route dans Maluku qui vont venir améliorer ce coin du pays, ce coin de la capitale, en prévision de développement futur, certes, mais d'abord pour les besoins immédiats. La composante B, il s'agit de la réalisation de forages d'un centre hospitalier à Maluku. Centre hospitalier, la fourniture d'une ambulance, clôture de centre, réhabilitation d'un centre d'accueil pour les malades du VIH-Sida, du choléra, l'éclairage public de la cité de Maluku, la réhabilitation d'établissements scolaires, l'appui aux femmes, rénovation du marché de Maluku, appui aux activités génératrices de revenus, le groupe féminin du quartier de Maluku. Composante 3, c'est les études de réalisation de la réalisation des études détaillées du périphérique de contournement du Grand Kinshasa et des pénétrations, y compris les aspects environnementaux et sociaux. La réalisation d'études détaillées au niveau de la réhabilitation de la RN43 à partir de Maluku jusqu'au raccordement à la route nationale numéro 1 au carrefour de l'Ancelé, y compris les aspects environnementaux et sociaux. Vous comprenez très bien qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, même si l'inquiétude est légitime. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter parce qu'on a parlé de Rutrail et de penser que la mise en œuvre de ce projet de 30 millions, disons, d'un peu moins de 30 millions de dollars, va mettre en péril notre engagement et nos attentes par rapport au port en eau profonde de Banana. Voilà, chers honorables députés, quelques éléments qui me paraissaient importants pour clarifier et dissiper tous les malentendus en ce qui concerne ce projet, qui reste important et même urgent parce que, quel que soit l'avenir qui nous est réservé par rapport au pont Rutrail, eh bien, ces infrastructures seront utiles dans l'immédiat et elles seront utiles pour les Congolais. Et ensuite, pour terminer sur le pont Rutrail, si vous me le permettez, je voudrais simplement vous dire que il y a beaucoup de craintes. Je ne suis pas en train de faire l'avocat du diable, mais il y a beaucoup de craintes qui ne sont peut-être pas vraiment justifiées. Nous avons un pays de près de 100 millions d'habitants. Si nous ajoutons les pays voisins,
qui sont, pour la, dont certains sont enclavés, comme la République centrafricaine, etc., nous approchons peut-être les 120, 130, 150 millions. Et bientôt, ça va doubler. Si nous comparons des choses comparables, prenons de la Côte d'Ivoire au Bénin, quatre pays qui se suivent sur moins de 1000 km de distance, ces quatre pays ont au moins 5 ports, dont 2 ou 3 en eau profonde. Ce sont des grands ports de capacité, parfois même supérieure à celui de Pointe-Noire. Et tous ont des projets d'extension. Ces quatre pays ont 5 ports et qui couvrent à peine 75 millions d'habitants. Et ces pays sont plus riches que nous aujourd'hui, en termes de richesse par tête d'habitants. Nous sommes un des plus pauvres. Si nous sommes aujourd'hui à 300-400 $ par habitant, nous avons l'ambition légitime de doubler, de tripler notre richesse par habitant dans quelques années. Eh bien, moi, je suis personnellement convaincu que Banana et Pointe-Noire combinés pourraient être insuffisants. Donc, mettons plutôt l'accent sur ce que nous devons faire dans l'immédiat. Faisons Banana. Et comme Inga, à l'époque, on parlait de Inga en disant que c'était un éléphant blanc, aujourd'hui, c'est insignifiant en termes de capacité par rapport à 900 millions d'habitants. Je suis convaincu que Banana plus Pointe-Noire d'ailleurs, serait peut-être un jour insignifiant si vraiment nous mettons notre économie à la hauteur de son potentiel. Et cela peut aller très vite. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas de raison d'avoir peur ou de faire peur. Il y a simplement matière à travailler, à faire quotidiennement notre devoir. Je voudrais ensuite aborder la question qui est revenue plusieurs fois, celle relative à la planification et aux besoins d'évaluation. Beaucoup de députés ont, à très juste titre, souhaité que la question de l'évaluation soit davantage prise en compte. Et c'est très bien, parce que nous avons besoin de cette évaluation. Tout le monde a besoin de cette évaluation, et c'est votre rôle en particulier. Et c'est ça qui va nous faire progresser. Mais il faut savoir que c'est difficile d'être très pertinent sur cette évaluation. On ne peut pas faire une véritable évaluation dans cette phase de ratification, car comme l'a si bien expliqué le président de votre juste assemblée, cette ratification est un processus normal dans le cadre de la séparation des pouvoirs. Mais l'évaluation pourra se faire en aval, dans le cadre du travail parlementaire, tout comme elle doit se faire en amont, dans le cadre de la planification et des processus budgétaires. Aujourd'hui, vous êtes très actifs lorsqu'il s'agit de discuter du budget. Et chacun des députés veille à ce que son territoire trouve son compte. Mais vous savez tous très bien aussi que vu la modicité de nos ressources, l'essentiel des projets ne sont plus financés par le budget de l'État. La majorité des financements viennent des partenaires ou encore des projets du secteur privé. Mais au moment de la validation du budget, ces projets ne sont pas connus, en tout cas pas en détail, lorsque ce budget est présenté devant vous. Donc, il faudra trouver le moyen de renforcer votre évaluation en amont du processus qui conduit à la définition de ces projets. Le premier moyen, c'est à travers la définition du plan stratégique national de développement qui doit être reflété dans les budgets successifs. Il faut peut-être que ce plan trouve le moyen de passer par l'Assemblée parce que c'est la base à partir de laquelle les différents budgets sont établis et c'est également la base à partir de laquelle les différents partenaires au développement s'arriment pour définir leurs projets. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, on peut renforcer, mais on doit également renforcer le dialogue entre le Parlement, le gouvernement et même ses partenaires pour nous assurer qu'il y ait une plus forte convergence. Alors, pour ce qui est des projets, donc, il y a un autre type d'évaluation qui n'est peut-être pas institutionnelle, mais qui relève de la responsabilité de chacun d'entre vous en tant que ressortissant des territoires. Lorsqu'on discute d'un projet qui a trait à un territoire, ce serait bien que l'on sente la présence des parlementaires. Aujourd'hui, on a beaucoup plus les ONG, la société civile,
et peut-être pas assez les parlementaires alors qu'ils sont concernés par ces projets. Et à ce niveau-là aussi, même si ce n'est pas l'institution parlement qui intervient, mais les parlementaires en tant qu'individus, en tant que notables des territoires, doivent s'intéresser au moment où on discute de ces projets, dans les différents ateliers, dans les différents dialogues. À ce moment-là, on aura beaucoup plus de facilité à les faire passer lorsqu'on passe devant vous ici, et ça sera vraiment une formalité, pour ne pas dire test d'enregistrement, je ne me permettrai pas, mais ça sera une formalité parce que vous serez, vous tous, dans vos territoires, parfaitement au courant de tous ces projets dans leurs détails et dans leur impact attendu par rapport à votre base, à vos bases, à vos électorats. Et c'est à ce niveau-là que chacun veillera à défendre son territoire pour qu'il y ait plus d'équité. Même s'il est vrai que la définition du plan stratégique prévoit cela, parce que lorsqu'on définit un plan stratégique, on définit des objectifs et des priorités en termes de secteur et en termes géographiques, avec des critères objectifs comme la pauvreté, comme la paix et la stabilité. C'est d'ailleurs le critère de paix et stabilité qui a fait que l'Est du pays a été l'enfant chéri des programmes et des projets. Aujourd'hui, c'est plus le centre qui est la partie la plus pauvre et enclavée qui commence à recevoir un peu plus de financement. Mais il ne faut pas oublier l'Est du pays qui est aussi une zone de pauvreté endémique. Mais c'est là que c'est au niveau stratégique que tout cela se définit. Et donc, il faut que cette voix, la voix des parlementaires, s'entende encore plus en amont lorsqu'on définit ces stratégies. Pour ce qui est du Maïndombe qui a été cité, il est vrai que ça peut paraître comme une partie qui n'est pas favorisée par les projets, mais il y a des projets en cours, notamment un projet financé par la Banque mondiale, le PIRED, qui concerne le reboisement. Et reboisement qui est une question très importante, pas seulement pour la forêt elle-même, mais parce que ce projet compte également des activités connexes, qu'on appelle des activités socio-économiques, génératrices de revenus, qui ont un impact réel sur les populations. Et d'ailleurs, la question de la forêt, si elle est bien gérée, elle peut apporter beaucoup plus de financement que le budget de l'État et que l'aide traditionnelle. Mais il faut s'en saisir, et il faut que cette partie du pays s'en saisisse parce qu'elle contient une bonne partie de nos forêts. Je voudrais revenir sur la question de la dette qui est revenue à plusieurs reprises. Beaucoup d'inquiétudes ont été formulées sur la question de la soutenabilité de la dette, qu'il ne faut pas endetter le pays pour revenir à des PPTE. C'est une préoccupation légitime. Mais pour ne pas m'étendre trop longtemps sur cette question, il faut savoir que le surendettement que nous avions connu jusqu'en 2010 était essentiellement dû à quelques grands projets comme INGA notamment, qui avaient été financés par des financements privés très onéreux et qui, à cause des intérêts, plus de la moitié de la dette venait des intérêts, eh bien, nous a mis dans une situation de surendettement qui s'est combinée, qui a été aggravée par l'effondrement de la GECAMINE et toute l'histoire que vous connaissez. Aujourd'hui, depuis PPTE, la politique du gouvernement est constante. C'est d'éviter tout endettement qui n'est pas concessionnel. Ces endettements non concessionnels nous permettent d'avoir une dette soutenable. Et depuis que nous avons bénéficié de la réduction de la dette en 2010, nous sommes un des pays modèles, si je peux dire, dans le sens où nous sommes un des pays les moins endettés. Le ratio dette sur PIB, qui est le critère pour évaluer le taux d'endettement d'un pays, est l'un des plus faibles du continent. Nous avons à peine 15% environ de dette par rapport à notre PIB. La limite maximale qui est fixée par les institutions financières internationales est de 70%. Nous avons encore une marge pour nous endetter. Mais la difficulté que nous avons, c'est que quand on s'endette, d'abord, il faut pouvoir rembourser et notre budget est tellement petit. Et c'est ça qui nous ramène à un point qui fait consensus, c'est qu'il faut plus de recettes. Notre budget est tellement petit que même si on voulait s'endetter, on n'est pas sûr de pouvoir assurer le service régulier de la dette. Donc on a une capacité d'endettement importante quand on regarde ces critères-là par rapport au PIB, mais par rapport à notre budget, qui ne représente que 6% du PIB, notre capacité de rembourser est très faible. Donc nous devons accroître les recettes. Mais nous avons quand même plus de marge de manœuvre, plus de potentiel d'endettement que beaucoup d'autres pays africains. Si on prend notre voisin, le Congo-Brazzaville, malgré ses richesses pétrolières, etc.,
Aujourd'hui, il est autour de 70% d'endettement. Et d'ailleurs, il a de grandes difficultés par rapport à ça. Tous les pays, la plupart des pays d'Afrique subsaharienne sont dans des situations similaires, entre 40 et 70%. Nous sommes à 15%. Nous pouvons encore nous endetter, mais il faut que cet endettement serve à des projets utiles. Le principe est que les 400 millions ne devraient pas inquiéter par rapport à la dette s'ils sont bien utilisés, parce qu'ils vont créer une activité qui elle-même va accroître le PIB, va accroître les recettes publiques et va faire que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on n'aura plus de difficultés pour les rembourser. Et d'ailleurs, la plupart de ces projets qui sont concessionnels nous mettent toujours un délai de grâce qui va de 5 à 10 ans, pendant lequel nous ne devons rembourser que les intérêts et le principal commence après la 10e année. Pour ceux qui ont la concessionnalité d'un prêt se mesure par rapport à 3 critères. Le premier, c'est le taux d'intérêt. Dans l'absolu, un taux d'intérêt est considéré comme concessionnel lorsqu'il ne dépasse pas 2%. Mais parfois, on a des taux d'intérêt supérieurs à 2%, mais le prêt est quand même concessionnel parce qu'il y a 2 autres critères qu'on prend en compte. C'est d'abord la maturité, c'est-à-dire le délai du crédit et également le délai de grâce. Et le troisième critère, c'est la composante don. Lorsqu'on combine des prêts et des dons, l'ensemble des 3, c'est-à-dire le taux d'intérêt, la maturité et la composante don, permet de dégager le caractère concessionnel d'un prêt. Et nous n'avons pas à nous inquiéter par rapport à ça, parce que nous avons une administration qui s'appelle la DGDP, qui est totalement outillée pour le faire et qui ne laisse pas passer des prêts qui ne sont pas concessionnels. Donc, les prêts, tels qu'ils sont là, 400 millions, avec des délais de grâce qui vont jusqu'à 10 ans, des maturités de 40 ans, devraient nous rassurer. Parce que dans 40 ans, on sera quand même beaucoup plus riche qu'aujourd'hui. Sauf si on avoue d'avance qu'on ne pourra pas y arriver. Mais on n'aura pas de difficultés pour payer, surtout que les taux d'intérêt sont très bas. Voilà la logique de ces projets. Mais la grande clé de succès, c'est que ces projets soient bien exécutés, en temps, en heure et avec rigueur. Et à ce moment-là, on a le bénéfice. Nous avons souvent des problèmes dans l'exécution des projets, parce qu'il y a des négligences ici et là, mais ce serait intéressant que, y compris vous, les honorables députés, vous mettiez votre regard sur l'exécution de ces projets, parce qu'ils relèvent de vos territoires, pour alerter quand ça ne va pas, de manière à ce que nous nous assurions que les résultats que nous attendons sont là. Ça ne sert à rien d'avoir de beaux chiffres, de beaux projets, et le résultat n'est pas là, et l'exécution est mauvaise. Donc c'est une responsabilité commune et partagée, et je sais que nous pouvons compter sur vous pour exercer cette vigilance comme vous l'avez manifesté aujourd'hui. Alors, une autre question qui a été posée, c'est des projets de 10 millions, ça nous ridiculise. C'est un point de vue qui est partagé ici. Moi, je ne le partage pas, parce que je sais que même les petites eaux font des grandes rivières. Et je sais également que lorsqu'on est un pays aussi potentiellement riche, mais aussi pauvre, on doit pouvoir faire preuve d'humilité. Parce que sans humilité, on ne pourra pas être élevé. Et cette humilité, c'est également ça. Pourquoi nous allons refuser de prendre 10 millions, que ce soit un prêt ou un don, d'un partenaire qui peut sauver des vies, qui peut aider nos enfants qui sont démunis, qui peut aider nos enfants à aller à l'école, nos mamans à avoir une activité génératrice de revenus, parce que nous sommes soi-disant un grand pays. Je pense que, personnellement, je pense que tout est bon, pour autant que ça serve une vraie cause. Et puis, on ne peut pas empêcher les gens, y compris la société civile, parfois de démarcher pour arracher ces crédits. Lorsqu'une communauté dans un coin du pays, par l'entregent, par le dynamisme de son député, de son sénateur, de son ministre, identifie la possibilité d'avoir 10 millions d'une banque quelconque à des conditions concessionnelles pour un projet, pourquoi allons-nous lui refuser cela? Il n'y a pas, de mon point de vue, il n'y a pas de raison. Et pourquoi allons-nous refuser de ratifier cela au motif que ça nous gêne, ça nous humilie? Je pense qu'il n'y a pas de honte. L'important, c'est de faire pour le bien de nos populations. Et nous savons, si nous avons, Dieu sait combien nous avons de populations en besoin d'assistance, en besoin d'aide, en situation de dénuement. Une autre question a été posée, elle concerne les 15 millions pour 309 km de route au nord Kivu, avec un calcul qui a été fait en disant que ça paraissait insignifiant. Il est important de préciser qu'il ne s'agit pas de construction de nouvelles routes. Il s'agit simplement de l'entretien. Entretien de routes en terre. L'entretien de routes en terre, et donc quand vous faites le calcul, ça vous ramène à $42 000 par kilomètre,
ce qui est tout à fait raisonnable pour l'entretien de routes en terre. Et lorsque cet entretien est bien fait, c'est du travail que nous donnons à nos jeunes dans les campagnes, nous les occupons utilement, tout en améliorant les routes. Et donc, il n'y a pas d'incohérence sur les sites qui ont été donnés, et je comprends l'inquiétude de l'honorable député, mais il n'y a pas d'incohérence. Une autre question a été posée, elle concerne les exonérations. Il est important de savoir qu'il y a une règle internationale qui veut que tous les projets mis en œuvre dans le cadre de l'assistance publique au développement, ce qu'on appelle l'aide publique au développement, eh bien ces projets-là bénéficient d'une exonération. C'est une pratique internationale qui est consacrée chez nous également. Eh bien, cette exonération, elle peut être comprise de multiples façons. Mais l'une d'elles, c'est de considérer que cette exonération est une forme de contrepartie de la partie congolaise, parce que beaucoup de bailleurs exigent même que la partie congolaise mette de l'argent frais comme contrepartie pour développer des projets. Mais comme on ne le fait pas toujours, parce qu'on n'a pas toujours les moyens de le faire, cette exonération que l'on accorde aux activités des projets apparaît comme une contrepartie, une contribution du pays à côté de l'argent du partenaire. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Maintenant, derrière cette question, il y a la question plus générale qui a été également évoquée ici, du coût, du poids des exonérations dans l'économie et dans la fiscalité. Cette question est très pertinente. Et vous vous souviendrez que nous avons, le gouvernement Inukamba a décidé en conseil des ministres de suspendre un certain nombre d'exonérations, notamment celles qui avaient trait à ce qu'on a appelé la chaîne de valeur, etc. Eh bien, c'est parce que d'abord, la légalité de ces arrêtés était discutable, et ensuite, il y avait une forme d'abus qui faisait que nos recettes étaient en train de s'effondrer sans justification réelle. C'est parce que cette question d'exonération est réelle. Pour vous donner une illustration, en dépit du fait qu'on a suspendu cette catégorie d'exonération, la question reste importante et je crois que nous aurons l'occasion, au courant de cette législature, de revenir vers vous avec des propositions de réforme concernant le sujet de l'exonération. À titre d'exemple, entre janvier et fin avril de cette année, nous sommes à près de 500 millions de dollars d'exonération accordés, ce qu'on appelle dépenses fiscales, c'est-à-dire de l'argent qui n'entre pas. Et sur ces 500 millions de dollars, à peu près la moitié relève des avantages du code minier, les miniers qui sont riches, mais qui bénéficient d'exonération. Et l'autre moitié est partagée entre la Convention de Vienne et le code des investissements. La convention devient y compris l'aide publique au développement et le code des investissements pour lequel nous accordons beaucoup d'exonérations en supposant que ça va inciter les gens à investir. Mais tout ça est discutable et peut-être qu'on reviendra sur ce débat au moment opportun. Donc vous avez tout à fait raison de vous poser la question sur les exonérations, mais je crois que la porte des projets financés par l'aide publique au développement n'est pas la bonne porte pour envisager la réforme des exonérations. Il faudra plutôt regarder vers d'autres portes, éventuellement le code minier ou le code des investissements ou autre. Une autre question, ce sera le dernier point, ou l'avant-dernier, concerne l'usine d'ozone. Il y a eu quelques remarques qui ont été faites par les honorables députés, notamment la seule honorable députée dame qui a pris la parole ici, qui a honoré les gens en prenant la parole ici. Ça concernait justement l'usine de traitement d'eau de ozone. Il est vrai que tel que ça apparaît, ça peut paraître comme une confusion, mais il n'y a aucune confusion. Il y a d'abord, ce projet est décliné en trois phases. La première phase, financée par la Banque mondiale, est en cours de finalisation. Dans le cadre du projet PNU-FA, elle est, comme on l'a dit, on a parlé des Chinois qui étaient à l'œuvre, dans le cadre d'un projet en cours, il s'agit de la construction d'une station de captage d'eau brute sur le fleuve Congo, une conduite de refoulement de diamètre de 1800 mm pour amener l'eau brute vers les stations de traitement, vers une station de traitement de 110 000 m3 par jour. C'est le projet en cours qui a été évoqué par deux honorables députés. Ensuite, il y a
le projet financé par OFID, qui est en cours de ratification, qui nous est soumis aujourd'hui, qui concerne la réalisation de la deuxième phase d'usine de traitement, qui portera également sur 110 000 mètres cubes par jour. Et il y a la troisième phase, qui a été aussi soumise à votre ratification à travers le projet Kim et Lenda, financé par la Banque mondiale donc, qui est en cours de ratification devant vous, et bien qui concerne également la dernière phase de 110 000 mètres cubes. Donc il y aura trois phases de 110 000 mètres cubes, mais ce projet, le dernier, va aussi permettre l'extension et la réhabilitation du réseau de distribution en aval du complexe d'ozone et la réhabilitation et la réalisation de 100 000 branchements nouveaux. Donc 100 000 familles, ce qui veut dire 600 000 voire 1 million de personnes pourront être nouvellement branchées à l'eau et recevoir de l'eau. Voilà pourquoi nous parlons de l'urgence de ce projet. Voilà pourquoi ce projet qui a été à peine adopté en conseil vendredi dernier se présente devant vous pour ratification, parce que nous considérons, et c'est le mandat que vous nous avez donné, qu'il n'y a pas une minute à perdre, qu'il n'y a pas de temps à perdre. C'est notre entendement du mandat que vous nous avez donné en tant que gouvernement de Warrior. Voilà, en résumé, quelques éléments de réponse, honorable député. Nous savons que nous pouvons compter sur votre engagement et votre facilitation pour que nous puissions nous mettre à l'œuvre et revenir vous rendre compte. Et il a été évoqué ici l'idée de faire des questions au gouvernement comme ça s'est fait ailleurs. Nous le souhaitons parce que ce dialogue, c'est le débat doit avoir lieu. Vous avez souhaité que nous puissions faire des réformes pour faire progresser le pays. C'est justement à travers ces débats, à travers ces questions, que nous pouvons clarifier, nous expliquer mutuellement, nous enrichir mutuellement pour faire avancer ces réformes pour le bien de ce pays. Je vous remercie. Monsieur le ministre, nous vous remercions. Honorables députés, chers collègues, après ces réponses, le débat général sur les 7 projets de loi est clos. À présent, nous pouvons nous prononcer quant à la recevabilité de ce projet. Qui sont pour la recevabilité? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable les 7 projets de loi. Nous les envoyons tous pour un examen approfondi à la commission mixte composée des commissions économiques, financières et de contrôle budgétaire et relations extérieures. Vu l'urgence, le bureau invite la commission mixte à mettre le boucher double afin de réaliser les travaux vous confiez dans un délai maximum de 72 heures. Ce délai court de mercredi 26 à samedi 29 mai 2021, date à laquelle elle déposera son rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Votre bureau insiste sur le respect de ce timing. Cela revient à dire que nous reprendrons nos travaux sur ce projet de loi au cours de la prochaine séance plénière prévue le lundi 31 mai 2021.
Les collègues non membres de cette commission mixte sont priés de prendre part, de prendre une part active aux travaux de celle-ci en vue de les enrichir. En cas de besoin, la commission mixte pourra requérir la présence des membres du gouvernement concernés par cette matière pour lui fournir des éclaircissements nécessaires. Cela étant, Monsieur le ministre des Finances, nous vous remercions de votre disponibilité et des explications claires fournies à l'auguste assemblée. Nous remercions également Madame la ministre chargée des relations avec le Parlement et la vice-ministre des Finances pour leur participation à nos travaux. Sur ce, nous vous prions ainsi que les collaborateurs qui vous accompagnent de prendre congé de l'Assemblée nationale. Encore une fois, merci. Nous avons dit maman, nous avons dit que nous la République démocratique et à Congo. Nous avons dit maman, en tant que nous Nicolas Kazadi, il y a quelqu'un qui a été en train de faire un bon travail, il y a bon travail, il y a un bon travail, il y a un bon travail, Nicolas Kazadi, il y a un bon travail, il y a un si kutope manaka sambwadi na samu na mambote ya nkangu ya insi ya Republik Demokratiki ya Kongo na dibanza ti yonso ina loyali takuza sala ya ukele samu na mambote ya nkangu ya wina nanzira dibanza ina ya kuzaka mwenisa manaka ina mbina ntonga pete na kutuba ya mikuiza ndi mama na ntwala ya banku wa Kinzonzi Feza Kalongo matodo mingi la spilende ni kusema kwamba mpango pendekezo za kanuni ya kanuni za mipango saba zilizoweza kukubaliwa na député Sertole. Conformément à l'article 99 de notre règlement intérieur, je vous informe que suite à la nomination de certains de nos collègues comme membre du gouvernement, il se dégage présentement 20 sièges à pourvoir au sein de notre chambre. Pour combler ces vacances, votre bureau va transmettre diligemment à la commission politique, administrative et juridique pour examen les dossiers de suppléants de nos 20 collègues frappé d'incompatibilité. Dès sa saisine, la commission disposera de 72 heures pour déposer son rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Honorables députés, chers collègues, nous en avons ainsi terminé avec notre ordre du jour. Nous vous remercions de votre participation active à nos travaux. La séance est suspendue, mais un petit huis clos de 2 minutes. Kesa kanuni yo saba yaliyopewa na waziri wa mambo za pesa Nicolas Kazadi ndio pendekezo hili linatoka kukubaliwa ya kusema kwamba pesa za mkopo hiyo zikitokea kwenye benki kuu pia baada ya kutengeneza manjia, kutengeneza pia ulalo, kutengeneza kazi mbalimbali ya katika majimbo mbalimbali yanaweza kukubaliwa hapa kupale di peuple, ila kuna nikusema pia kusema kwamba kazi hiyo inaweza kukubaliwa hapa pepe kutokana tu na namna kabisa waziri aliweza kujifasiria Sylvie Mwembe.
Kazadi, ministre des Finances, a convaincu les élus légitimes du peuple. Il vient de déclarer recevables les 7 projets de ratification. Elle sera approfondie et enrichie par une commission mixte, ECOFIN et relations extérieures. Ils ont 72 heures pour examiner à fond ces projets de ratification. Au nom de John Bidoya, Evelyne Ikulamba, nous vous disons merci de votre fidélité à la Radio-Télévision nationale congolaise. À la prochaine et merci. Merci.